Bonjour, un tutoriel donc sur un outil qui s'appelle la cuisinière et bon qui, comme son nom l'indique, permet de faire des quiz. Donc c'est un outil que je trouve que je viens de tester là, que je trouve très sympathique, qui est créé par Canopé. Donc si vous tapez cuisinière dans un moteur de recherche, vous arrivez ici et vous avez donc l'espace apprenant et l'espace enseignant. Donc moi je me suis créé déjà un compte, ça va très très vite, hein, ils envoient juste un mail. Donc quand vous faites accéder à mon espace, vous voyez, j'ai fait deux tests déjà. Et donc en fait, je vais vous montrer comment ça se passe pour recréer. Donc on va faire ajouter un modèle. Et je vais recommencer un peu celui que j'ai fait avant. Donc on va faire un test pour mes terminales sur les contrats. Et alors ce que je trouve très bien, donc l'interface est très bien faite. En plus, ça vous explique. Donc vous pouvez mettre un texte de présentation pour les consignes. Remplissez le texte lacunaire sur les contrats. Voilà. Ensuite, eh ben, vous pouvez rajouter également du texte, du son, une photo, un dessin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire un texte à trous. Donc, je vais prendre une petite partie parce que si vous prenez très grand, ça met un petit peu plus de temps. Je ne vais pas vous faire un tutoriel de... Voilà. Et donc, voilà. Et après, vous choisissez, vous n'avez plus qu'à choisir. Donc, moi, je veux qu'ils me disent tout ça. Données, faire, résultat, moyen. Voilà. Après, vous pouvez également augmenter la note, mettre un coefficient 4 suivant. Voilà. Là, je fais un petit truc un peu court, hein, mais vous pouvez faire beaucoup plus long. Je fais enregistrer. Donc c'est vraiment très très facile d'utilisation et très intuitif aussi, je trouve. Donc je le ferme et je le retrouve ici, non ici, 16h13. Je peux l'éditer, je peux le dupliquer, je peux regarder ce que je viens de faire, le mettre à la poubelle, et surtout donc je peux le partager et le diffuser. Alors pour le diffuser, on va remettre test. Voilà, je choisis la date à laquelle ils doivent me le rendre et je choisis le nombre d'élèves que j'ai, le nombre de copies en fait, créer la diffusion. Et là, vous avez un code que vous pouvez leur donner directement, qui n'est pas très long, ou vous pouvez vous servir du QR code. Donc, je reviens à l'interface du début, je fais comme si j'étais une élève, je fais accéder à l'exercice et voilà. Donc, on va mettre des trucs pas justes, mais c'est pas grave, c'est pour aller plus vite. Voilà. Et voilà, je mets mon nom. Donc voilà, imaginons que ce soit l'élève qui s'appelle Imen. Elle envoie la copie. On lui dit bien que si elle l'envoie, ben c'est fini, elle ne pourra plus la modifier. Elle a un petit code de copie. Elle le conserve. Voilà. Et après, donc je retourne sur mon espace enseignant. Et effectivement, sur celui-là, je vais. Donc diffusion aux élèves, je fais ça. Et là, j'ai bien 1 sur 15, celui-là, là. Et je vais pouvoir le regarder. Donc, ben, elle a une mauvaise note, elle a 0%. Et donc, je peux regarder ce qu'elle a répondu, ce qui n'est pas forcément. Voilà. Et donc, remplissez le texte. Donc, je vais lui mettre que c'est pas bien du tout. Et je peux saisir une appréciation. Voilà. J'étais un peu rapide, mais honnêtement, c'est facile à utiliser. J'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous!